Beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour la guidance intemporelle de ce 24, de ce mardi 24 septembre, pardon, 2024. Eh bien oui, 24-24-2024. Eh bien voilà, numérologie, il faudrait peut-être aller voir. Je commence par la petite philosophie de ce matin, la pensée positive de ce matin, de ce 24 septembre. Le bonheur, waouh, ça fait chaud au cœur, hein, le bonheur. Eh bien, le bonheur n'est pas un idéal de vie difficile à atteindre, n'est-ce pas? À y regarder de plus près, eh bien, ce n'est en fait qu'une succession de toutes petites choses, de toutes petites joies renouvelées. Ce peut être une grande respiration et la sensation du bien-être qui s'ensuit. Ça peut être aussi un moment de solitude le matin. Ça peut être aussi l'attendrissement devant un bébé qui dort, ou même encore la volupté d'un grand esquimau à la fraise que l'on savoure pour retrouver ses plaisirs d'enfant. Voilà le bonheur. Et aujourd'hui, eh bien, là, il faut faire attention, j'ai pigé le corbeau, et là, c'est un avertissement. La carte le corbeau est liée à la magie et au pouvoir surnaturel. Il est un médiateur entre les mondes visibles et invisibles. Il est considéré comme un protecteur qui vient, eh bien, pour avertir des dangers imminents. Faites attention pour cette journée. Le corbeau vous demande de rester vigilant face, eh bien, aux influences négatives ou aux énergies malveillantes qui pourraient chercher à perturber votre cheminement. En tous les cas, ce corbeau, il met en évidence la nécessité que vous vous prémunissiez contre les manipulations ou les tromperies de votre entourage. Ça peut être, quand je dis de votre entourage, ça peut être familial, ça peut être domaine professionnel. Attention si vous êtes en couple, dans votre ménage, amis, hein, amical. Il vous rappelle que votre intuition est un guide précieux et vous encourage à l'utiliser avec prudence et confiance. Il faut toujours écouter sa petite voix. Attention à vous, présentement, car vous avez autour de vous certaines personnes qui sont très négatives et qui n'ont pas une bonne influence sur vous, et qui vous pompe cette énergie, cette belle énergie que vous avez, puisqu'elles ont, elles, une énergie malveillante. Avez-vous posé votre question? Si vous ne l'avez pas posée, je vous laisse un instant. Alors, la réponse à votre question, c'est oui. Les conditions sont favorables pour que vos projets se concrétisent et prospèrent. En tous les cas, cette guidance, elle vous demande de faire preuve de discernement dans vos interactions et vos décisions. Il y a une chose qu'on vous invite à ne pas vous laisser tromper par les apparences et faites confiance à votre intuition tout en vous protégeant des influences négatives. Lorsqu'on dit, voilà, ne vous fiez pas aux apparences, eh bien oui, les apparences sont trompeuses.
Donc, ne vous fiez pas aux apparences. Comme un dicton qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». Et c'est là qu'il faut se méfier. Alors, évidemment, on a autour de nous beaucoup, beaucoup de personnes et on voudrait qu'elles soient bienveillantes. Mais malheureusement, il y a des personnes qui ne sont pas bienveillantes, qui ont de la méchanceté, qui ont de la jalousie. Donc, faites attention à vous. Soyez conscient des personnes ou des situations qui drainent votre énergie et prenez des mesures pour vous prémunir contre elles. Ça, c'est très important. Donc, mais suivez encore votre petite voix intérieure. Hein. Ça, c'est la première chose. Si maintenant, vous avez en face de vous une personne et qu'il y a quelque chose qui vous dérange, écoutez votre petite voix intérieure. C'est qu'il y a un problème. Eh bien, voilà. Donc, avertissement pour aujourd'hui. Et pour la petite carte des anges gardiens, l'équilibre. Alors, les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, eh bien la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre, eh bien, sont nécessaires. Trouvez cet équilibre si vous avez ce manque d'équilibre. Ça, c'est le message de vos anges gardiens. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous en douceur, n'est-ce pas, vraiment, hein? Vous êtes quand même une personne extraordinaire, donc prenez soin de vous avec beaucoup de douceur. Prenez soin de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez. Et puis, moi je vous embrasse et je vous dis à demain. Et à demain, voilà.